Bonjour à tous et bienvenue dans la Masterclass. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être au magnifique Heritage Golf Club, le golf qui accueille la Freja Bank Mosh Open, une épreuve d'European Tour. À travers cette vidéo, on va parler un peu petit jeu et spécifiquement comment je vais vous aider à améliorer votre contact de balle avec l'aide d'une baguette d'alignement pour vous permettre de faire le plus souvent possible l'approche putt la prochaine fois que vous allez sur le parcours. A tout de suite. Ok, donc j'ai une approche d'environ 25 mètres pour aller chercher le drapeau qui est situé au fond du green. J'ai décidé de sélectionner un fer 9 pour effectuer un coup roulé, c'est-à-dire une balle qui va pitcher le plus rapidement possible sur le green pour ensuite la voir rouler jusqu'au drapeau. Et la tendance que je vois avec les joueurs qui connaissent un manque de régularité au niveau des coups roulés, donc ça peut être avec un pitching wedge, fer 9, fer 8, qui sont des très bonnes sélections de clubs pour ce type d'approche, souvent ils arrivent dans une position à l'impact, où le corps est toujours sur le côté droit, donc sur le pied droit, avec les mains qui vont prendre le dessus et avoir une tendance de cueillir la balle. De cette position-là, on peut cueillir, topper la balle. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas avoir un contact de balle performant et régulier pour nous permettre de faire approche putt le plus souvent possible. Et je pense que c'est dû au fait que ce type d'approche ne demande pas beaucoup d'efforts et finalement pas beaucoup d'amplitude. Et ce qui se passe, c'est que puisqu'il n'y a pas ces deux choses-là, beaucoup d'amateurs ont tendance à retenir le coup, rester en arrière, pas d'engagement de corps et prendre le dessus avec les mains. D'accord ? Donc, en fait, on veut l'opposé de ça. On veut se retrouver dans une position à l'adresse où il y a eu un bel transfert d'appui du côté droit jusqu'au côté gauche. Je dirais environ 60 à 70% du poids sur le côté gauche au moment de l'impact, ce qui nous permet d'arriver avec les mains qui sont légèrement en avant par rapport à la tête de club. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand on traverse la balle, on est dans une position où les hanches sont presque orientées vers la cible, avec le haut du corps également presque orienté vers la cible. Très souvent, ce que je vois, c'est quand les mains prennent le dessus, le corps n'a pas d'engagement, les épaules sont parallèles par rapport à la ligne de jeu. Et à partir de cette position-là, il peut se passer beaucoup de mauvaises choses. Donc, un exercice pour vous aider qui est extrêmement simple. Vous allez prendre une baguette d'alignement et la prochaine fois que vous allez faire une série d'entraînements sur la zone d'approche, c'est que tout simplement, vous allez placer la baguette d'alignement à droite de votre pied droit. Alors, pour ce coup-là, j'ai le placement de balle qui est à l'intérieur de mon pied droit et je place la baguette à l'extérieur de mon pied droit avec la baguette qui est juste à droite de ma balle également. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Quand je me positionne devant la balle, ce qui se passe, c'est que si vous allez avoir tendance à gratter la balle, vous allez venir toucher la baguette d'alignement. Voilà ce qui va se passer si vous restez sur le côté droit et si vous avez tendance à cueillir un peu trop avec les mains. Donc, si je remets la balle là où elle était, la baguette là où elle était également, donc à droite de mon pied droit, l'objectif, si vous voulez, ça va être de louper la baguette d'alignement avec le club, ce qui nous indiquera que vous arrivez dans une position à l'impact où les mains sont un peu plus en avant par rapport à la tête de club et le poids est un peu plus sur le pied gauche. Alors, est-ce que la balle passe par-dessus? Oui, je suis un tout petit peu à droite par rapport au drapeau, il y a une grosse pente droite-gauche. Alors, la prochaine fois que vous allez vous entraîner, la façon où je le mettrai en application pour mes élèves, c'est tout simplement j'effectuerai 3 coups d'essai sans la balle pour l'instant, d'accord? Donc juste pour aller chercher un contact de balle qui va être situé légèrement en avant de la balle. Voilà, et n'oubliez pas de tourner et engager le bas du corps et le haut du corps pour vous retrouver dans une position similaire à celle-ci. N'ayez pas peur de l'engagement du corps. Si le contact de balle est bon, la balle ne va pas voler 50 mètres pour ce type d'approche, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que j'ai effectué mes 3 coups d'essai, ensuite je me mets devant la balle et j'effectue la même chose. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez vous entraîner au petit jeu, 3 coups d'essai et ensuite taper la balle. Faites 5 séries, je vous garantis que ça va vous aider à améliorer votre contact de balle et faire le plus souvent possible l'approche putt la prochaine fois que vous allez sur le parcours. À très vite.